Et y'a que les tipots, c'est Mojoon, il est sur Clash Royale les gars, aujourd'hui nouveau deck simplement pour vous présenter de nouveaux decks nouvellement maxés. Donc je l'ai déjà présenté sur la chaîne les gars, j'avais juste pas mal, donc là je peux jouer à ladder. Comme vous venez voir, je viens de gagner une game avec, alors je vous explique après. Donc voilà, on a ce deck, Mortier, Cimetière Gel les gars, avec des troupes de support, Lockbait, parce que beaucoup de Lockbait en ce moment, le colis pour aller faire les gros push, et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous qui feront. N'hésitez pas aussi à rejoindre le clan pour leur donner de la force à Rush FR, les gars. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer une game que je viens de faire actuellement là contre le Golem d'Elixir, qui est un gros hardcooter. Hein, parce que je peux pas faire grand chose s'il spam bien. Les dragons qui sont quasiment ingérables. Bref. C'est un gros counter. On va juste. Je vais vous montrer la game parce que. Elle est assez incroyable parce que j'ai eu un bug de co entre temps, j'étais en train de la filmer, mes bugs de co. Donc on va juste la mettre en x4 au début parce qu'elle est pas très intéressante. Voilà, bon je défends tranquille. On va la mettre en x2 juste. Et voilà, donc pour l'instant, je vous dis au moins j'ai le bug de co, vous savez vous, en tous les cas j'ai plus rien joué. Donc voilà, on def, le colis qui fait plaise, hop, tissu, tac, voilà. Chevalier. Et là regardez l'avance d'Elex qu'il a, donc là il va essayer de poser sa gamme dès qu'il est à 10. On met quelques coups de chevalier, on pose la cabane. Et c'est là au moment où j'ai eu le bug de co. Là maintenant je peux plus rien faire. Là vous allez me voir leak. Et là je vais retrouver la co pas loin là. Ah voilà là. Donc là on va la remettre en fois. Maintenant on va la remettre en fois 1 parce que là les défenses sont incroyables ce que j'ai fait. Après le gars a très très mal joué hein. Je dis pas qu'il a bien joué hein, mais. Je sais pas ce qu'il a foutu. Bon là c'était assez facile. Bon là j'ai récupéré ma Sénex. J'ai mis chevalier cimetière. Voilà. J'ai mis un électrocile vers la droite pour qu'il parte vers la droite du coup. Maintenant on allait prendre cette tour assez facilement. Le gars a fait de la D, hein. Franchement a fait de la D. Et là il va essayer de partir en contre-push. Voilà, donc là j'avais plus rien là dans la main. Comme vous le voyez, là il a juste fait un beau spam, je pouvais rien faire, hein. Je me suis déglingué. Voilà, évidemment j'ai mis 15 000 d'Elex. En plus j'ai bien raté mon gel comme vous le voyez. Là double drag, bon là après il restait 20 secondes, j'avais essayé de foutre en poids, j'ai juste mis un colis. Pour aller défendre les 4 petites boulettes de chewing-gum. Et voilà, et on va aller passer des tours comme ça, donc voilà, ça fait plaisir. Je vais juste vous montrer ça parce que c'est du gros spam. Donc les gars, je suis du coup actuellement top 6300 monde, c'est plutôt assez bien. Et on part sur cette première game contre Goloroa, ouais, Earl, je sais pas comment ça se dit. On va partir sur un mortier first play. On va être un petit peu, voilà, okay. Lui il en a rien à battre. Ok, donc golem au mid. Pourquoi pas. Je vais essayer d'aller le détruire au pont. Je vais garder un peu d'élec. Je vais mettre un levier un peu en retrait un petit peu plus tard. Genre maintenant. Là en fait le but c'est de tuer la knight le plus vite possible. C'est la knight qui va me poser beaucoup de soucis hein, dans ce matchup. La knight va être assez relou. On va mettre le fût à plus. Là j'ai un peu over death. Parce que en fait le baby faut qu'il tue les basses, voilà, c'est juste ça le but, nickel. Et là après bah, c'est free def hein, ok bon. On est quasiment mieux autant de dégâts qu'il nous a mis. Ça fait plaisir. Donc là ce qu'on va faire, c'est comme on sait qu'il a un golem, on va mettre un mortier def en bas, une case plus bas que d'habitude, vers la gauche. Voilà, nickel, il met un fût, on va aller le défendre tout ça, hop. Ça va nous éviter le coup de la méga gargouille. On est pas très bien Alex. Hein. Lui je pense qu'il est clairement à 10 là. Je vais devoir rajouter en plus parce que sinon je prends trop cher. Hop. Nickel. Et là il va poser golem mais c'est le moment où ça va être compliqué de défendre. Il pose son golem genre. Tout de suite là. Il pose son golem là non. Je pense. Hein. Il pose pas son golem mais qu'est-ce qu'il fout. Il aura du golem je pense. Après je sais pas, je joue pas golem, donc si elle joue à golem, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense qu'il aurait clairement dû poser son nom. Bon là, je propose d'attendre dès qu'il a 10, genre comme ça, hop, ouais, nickel. Je pense que ça va le faire un peu paniquer que je fasse ça. Ok, très bien défendu de sa part, on va juste mettre un gel.
On va mettre de bons dommages, il met une tornade, voilà, il a plus de tornade pour attirer nos troupes au centre. Dès qu'on a. Ok, là dès qu'on a 10, on met notre mortier. Hop. On met notre petit mortier. On prend le coup de la méga spot dramatique. Je vais chevalier. Hein. J'aurais du baby plutôt, je pense. Je vais chevalier, je vais mettre un baby en plus. Là je sais pas comment je vais def, je sais pas trop comment m'y prendre, on va recycler un mortier. Hein. Là je vous le dis, on va recycler un mortier. Je savais qu'il allait faire ça, donc on a recyclé un mortier tout simplement. Et là c'est vraiment un peu compliqué, un peu délicat. Il va commencer à spam, mais bon, on est des bons joueurs, on arrive à défendre. Je sais pas trop comment là, mais... Attends, parce que là il y a du monde là, il y a beaucoup trop de monde. Ouais. Ah, il spam, c'est dégueulasse, mec. Les gars, honnêtement, je comprends pas pourquoi ça existe encore ce genre de truc. Et BM en plus, là, ce genre de joueur, mec, c'est. Voilà, c'est à cause de ce genre de fils de pute que je tilt, voilà, simplement, c'est pas compliqué. Voilà son profil. Ouais, voilà, quoi. Golem, quoi. Le spam. Bah, ça fait deux decks spam que je rencontre. Ça fait toujours plaisir, hein. Ok, on part sur cette prochaine game. Si ça va bien trouver. Ok, nickel. On tombe sur ADG Inde de Putri Indonesia. Donc là, on n'a pas une très très bonne main de départ. Oula. Ok, on peut rendre un chevalier cimetière directement. Ok, les guardos. Putain, casse les couilles. Il va défendre avec 3. Casse les couilles. On va mettre le baby. On va attendre de voir s'il joue derrière. Hein. Oh, pas long. Oh, shit. Alors, allez, la technique. La technique, c'est d'attendre que le baby focus. Je crois que je l'ai raté. Oh, je suis nul. J'ai mis beaucoup trop tard. Dommage. On va prendre le coup du ballon, tant pis. J'espère qu'on va en prendre qu'un. On va en prendre deux. Il a bien joué. Son zap, en fait, il a permis que le baby tape pas le ballon et tape le molasse. Bon. On va mettre un mortier là. Du coup. Oh, mais quoi, il peut repartir là? Oh là. Ok, bon. On va partir en mortier. Attends de voir ce qu'il fait. On va faire tourner un peu le baby là. On va remettre le baby pour aller défendre le molosse. Sinon, je sais qu'on perd la tour. Là, dans tous les cas, on perd la tour. Du coup, je vais partir en cimetière. Je sais pas si c'est la bonne option là. Je pense que j'ai fait un peu de bladé là, mais. J'ai oublié que les gars. En fait, les gars, c'est beaucoup plus important que les barbares parce que les barbares ça coûte 5 et les gars ça coûte que 3. Et c'est genre, ça fait tellement de value pour un cimetière. Genre là, je sais que j'ai joué, tu vois. Alors, avec mon deck principal, je l'aurais déglingué. Hein. Il est nul, hein. Clairement, il est nul à chier. Juste, bah, il a un compteur, quoi. Et j'y repose ce molosse en mode balèque. Bon, là, on va faire une grosse def. Là, mon but, c'est de garder ma tour en vie. Alors, je sais pas si c'est possible. On va. Ouais, mais là, c'est de boire, donc c'est trop chiant. En plus, il y a une boule d'œuf. Ah ouais, c'est chiant ça. Alors, moi, je crois que j'ai bien joué parce que j'ai aussi fait tourner la méga. Est-ce qu'on est capable de prendre la tour? Oui, on est capable. J'aurais pu utiliser mon colis, mais là, je préfère le garder parce que je savais qu'il allait faire un molosse. Donc. Là, c'est vraiment un peu délicat. Ou. Attends, en fait, faut pas que je donne trop de value. Voilà, j'ai tourné sur sa boule d'œuf. On va polir le chemin maintenant, bah, nickel, parfait. Là faudrait qu'il recycle une boule d'œuf, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas. On a plus le choix maintenant. Là on est parti. Let's go. On va tenter le gel. Allez, on va mettre un beau gel. GG, super combat mec. Et ouais. Ah ouais, hard counter. Hein. Bon, c'est pas grave, on se décourage pas les gars, on remonte. Ok, bon, le but c'est juste de pas perdre de trophée. Genre, c'est juste mon but. Ok, bon.
Là, on n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le, on va mettre le mortier offensif comme ça. Petit mortier. Ok. Golem de glace, bat, cochon. C'est encore ce deck cochon, je le rencontre de partout. Avec les archers, c'est une horreur. Normalement, on va essayer de prendre 0 coups, ça serait plutôt bueno. Ouais, okay. Ok, comment il va def? Le gang. Quoi? Ah, il va être chiant le gang. Il va être très très chiant le gang. C'est comme les gardes, en fait, c'est beaucoup de value à défendre. Bon, je cycle, tranquille. Ok. Je cycle le colis en fond map. Ok, bon. J'ai mortier. Alors pour l'instant, j'ai full tempo. Hein. C'est un décor méta ce qui joue. Un deck fait maison. Pourquoi pas. Ok, du MK. Bluff, ouais. Il utilise beaucoup d'Elex là. On va essayer de protéger notre Ibis. Nickel. Je dois rajouter là. Ouais. Un relou. Dommage que ça t'a pas de débit. Est-ce que j'ai le temps de gel? Je pense que je vais quand même gel parce que le baby reste en vie, il reste pas mal de squelettes. Enfin, regardez là les dégâts qu'on va prendre là. Là, on a soulevé la tour là. Ok, bon. Là, on va juste défendre avec un électro. Nickel. On va repartir en mortier. Ah merde, il a eu le MK. Ouais, alors là, c'est un peu la merde s'il met le MK. Ouais, c'est de la merde là. Oula, 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 mislip. Attention. C'est dangereux de faire des mislip comme ça. Ok, nickel. Normalement, le MK qui vient. On a un très très beau colis. On va mettre un électro en plus. Hop. Belle boule de feu de sa part. On va cimetière. Faudrait juste que tout passe pour que s'il y a un vrai focus. Enfin, genre sur une tank. Ok, on va gel. Là, voilà, on a un beau gel. Et voilà les gars, on va aller prendre cette win contre ce deck assez chelou hein. On va pas se mentir que MK cochon c'est vraiment pas méta. Compliqué de passer avec MK cochon. Le gang je sais pas trop ce qu'il foutait là. Mais vas-y tranquille. Ok. Plus 28. Ok, c'est... on va aller s'en profiter. Celui juste spray est incroyable hein. Ouais. Quoi? Lui il a pas de défi classique, il a fait 6 km là quasi. Avec ça là. Ah ouais, quand même. Y'a rien dans le deck en fait. Genre, c'est full cycle et tu mets des MK, des cochons. Okay. Et lui, monte un petit peu. Bon, lui, je pense qu'il était pas ouf. Ouais, voilà, il a 6K6 de record. Pas incroyable. Ok, bon. On part sur cette prochaine game contre ce monsieur de Wamims House. J'attends mon mortier, oh nice. Belle LC. Encore un grain de glace, putain. Ok, ça c'est du 2.6, c'est sûr à 1000%. Ok, là je sais. Oh, ok, bon, bien joué. Il a mis le cochon à gauche et pas à droite. Bon, le gars a l'air de savoir jouer le 2.6. Hein. Ouh, ça va être chaud. Ça va être très compliqué. Même si j'ai un bâtiment, en soi avec le cimetière, ça peut être compliqué. Un bon joueur défend facilement le cimetière. J'ai cyclé le collier en fond de map. Là, mon but, c'est juste d'attendre l'électro 2 en vrai. Oh, y'a plus de mousquetaire. Y'a plus de Noumou, bien joué de sa part. Il savait pas que j'avais un cimetière. Ok, on va gel. Il a plus de bûche là. Je préviens, il a plus de bûche. Il vient de la cycler, mais vas-y. On a mis de bons dégâts, ça me va. On se répare s'il nous met un petit cochon. Okay, on ne mettra pas de cochon. On est prêt en tous les cas à mettre notre mortier.
J'ai même mis un mortier comme ça. On va se détendre, on va mettre un mortier comme ça. Okay. Un mortier qui peut être lourd. Ok, bien joué de sa part. On va jusqu'au lit là. Ok, ouais, on pré-shot en plus ça. Parfait. Hop. Hop, nickel. Le mortier qui reste encore en vie, il le fait chier normalement. Il joue vachement bien. Ok, là c'est l'x2 les gars, vous commencez à connaître. On peut partir en cimetière. Hop, il va bloquer au con, non? Ouais, je sais pas, il a bien cyclé. Ok, là on peut gel, normalement là on a un beau gel. Si cochon, on a tout ce qu'il faut. On a mis de bons dégâts, mais il défend très bien. Comme je vous le disais, regardez, les... là il a été surpris par le gel au début. Il n'a pas été surpris deux fois. Ok, je vais juste mettre un fieu barbare. Hop, nickel. Normalement on prend 0 coup, bien joué de sa part. Ok, on va colis. Nickel. Dans le cimetière. Là je pense pas qu'il s'y attendait ça. 1, 2, 3 après shot. Hop. Oh dommage, j'aurais mis une milliseconde plus tard, ça aurait été bon. Là on va mettre le mortier. En vrai ça va là. Là on fait de bonnes def. Il va devoir full gratter la boule d'œuf dans tous les cas, je pense qu'il le sait. Et je pense que là il a recyclé déjà en fait. Le problème c'est que là s'il a recyclé, je suis dans la merde. Genre là on va tenter de re-cimetière. Et là s'il me met un cochon, ça peut être compliqué. Mais bon, il a pas fait et heureusement. Ok, nous on remet un gel. En fait s'il a pas fait, c'est parce qu'il y a déjà mon électro-sorcier. Ok, mon électro-sorcier c'est ce qui peut survivre. Non. Ok, je vais colis. Hop. Ok, là on va mettre l'électro-sorcier bien après. La game est serrée, et en fait il me rate qu'à la boule de feu, mec, c'est horrible. Voilà, il peut pas. Là il peut plus bloquer au pont là. Il peut plus bloquer au pont, c'est plutôt impossible. Là on va mettre de bons dégâts, je pense. Hop. Allez, les dégâts, les squelettes, nickel. Mettez des dégâts, c'est ça qu'on veut. Je pense là il va tenter un gros push. On va recoller, hein. On va recoller à chaque fois, on prend pas le risque, on colis. Et là, ça va être le moment où on va prendre masse dégâts. Je joue bien. En fait, il arrivera bien à nous à cycle. Okay, on va en cimetière, vous le savez. Vous le savez, les gars, vous l'avez vu venir le cimetière. On va tenter de mettre un beau gel. Et le squelette, il commence, il gratte. Défense très solide de sa part. On remet directement le chevalier cette fois-ci. Le chevalier qui va être beaucoup plus safe. On peut recolis. Et là, on va re-cimetière. Je pense que ça va être le dernier cimetière là. Celui-ci. Oh, bâtard. Il a deux canons le bâtard. Hop. Et là, je pense que le gel peut faire mal. Ouh, c'est méga serré cette game. Là, vous savez, je suis en sueur. Hein. On va au cimetière dans tous les cas. Je pense que vous l'avez vu. On va bien défendre le cochon, bien évidemment. Non. Okay, j'ai quand même eu peur là. Et on va aller prendre cette win. Oh, c'est comme ce joueur qui était très très bon. Hein. Franchement, well played, mec. Oh, il a trop bien joué. Mais bon. Je crois que j'avais quand même un bon match-up, hein, mais c'est chaud. Ouais, il avait un sale profil. Hein. Il avait un sale profil. Très très bon joueur 2.6. Je sais pas comment je l'ai battu, mais. Ouh. Ok, bon. Là, du coup, on est top 6600 monde. On va essayer de faire cette dernière game, les gars. J'espère qu'on va la gagner. Ok, contre des comptes. Airwaves. De Enof. Tassam. Encore du 2.6. Oh non. Voilà, du coup il a plus son cochon. On peut mortier. Hop. Mais il a son canon. Il a son canon, faut pas oublier ça. Mais là il peut plus le mettre devant. Quoi? Roquette. Oh, c'est le deck de Viper. Oh sa mère. Je sais pas si j'ai un bon matchup, j'ai jamais affronté. Ok, bon, on va mettre le petit Baby Dwayne's. Je sais pas, Velky. Ouais, on va pas se mentir ça. Ouais. Intéressant. Je vais colis, hein. On va juste colis tranquillement.
Ok, là il a fait un petit peu de la dé parce que son cochon était un petit peu inutile. Un petit peu over défense, mais vas-y, tranquille. Ok, bon là je vois pas comment il peut def. Ok, bon là, hop, hop. Et s'il y a même pas une roquette, je vois pas comment il peut def. On est prêt à mettre. Ok, un bourreau. C'est bien le deck de Viper, c'est bien ce que je pensais. Ça va être compliqué à passer, hein, parce que si je joue bien, on se fait poutrer. Hein. Enfin, je me fais poutrer en tout cas. Ok, vas-y, spam. Là, je pense pas, tu vois, il est bien en Elex. Là, c'est le moment où je pense que là, si je contrepasse, ça va lui faire mal, parce que je pense pas qu'il s'attend au cimetière. À jouer comme ça, à jouer assez agressif, je pense qu'il pense que je joue mortier, genre basique. Et là, je pense qu'il y a moyen de faire full dégâts, genre roquette, ouais. Ok, roquette bûche, on va juste gel. Oh yes, on a un peu pré-shot quand même. Et là on va mettre d'excellents dommages. Alors on a rattrapé toute la game là en seulement un push. Ça c'est cool. Donc là on va commencer à remettre des mortiers full def. Il a pas de boule de feu donc il pourrait pas aller chercher mon mortier et ça c'est cool. Ok, on va essayer de pas lui donner trop de value. Et je pense pas il roquette pour 3. Je vois pas en fait comment. J'ai peur que là il roquette et qu'il ait une bonne value. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a ma roquette. Il a raté mon chouchou. Je vais remortir def. Hein. Et là je pense que c'est le. Oh, attends. Il va peut-être me donner une value là de cimetière. Ouais, je crois que là il y a une bonne value. Là il y a moyen de faire des dégâts, je pense. Hein. Il y a moyen de faire full dégâts. Est-ce que là on aurait pas un gel du futur par hasard? Ah, il met les gobs en plus. Mais bon, on gratte beaucoup. On gratte bien. Ça fait plaisir. On va mettre le petit chevalier ici. Là, on est prêt à remortier ici, cochon. Il n'y a pas Rocket Cycle quand même. C'est vraiment un gros chien, ce gars. En fait, là, je crois qu'il vient de faire une petite erreur, là, en vrai. Parce que. Là, ouais, je pensais qu'il ne va pas défendre mon cimetière parfaitement. Allez, 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 let's go! Chez mec, ça c'est le karma mec en fait. T'as voulu faire, t'as voulu Rocket Cycle, chez. Bon, du coup c'est cool, on sera remonté à 2 trophées des 5 cassettes, ouais, ça. Donc on monte top 5576 monde, ça fait extrêmement plaisir. On est top combien mon, local, top français. Yes, Mako. Dire ouais, bon, je tombe sur ça. Ah, il joue cimetière, depuis quand il joue cimetière? Bon, bref. Attendez, excusez-moi, ça lag un petit peu. Ok. On va descendre à une game des 5 caisses. Enfin, 2 trophées. Nickel. On est là, on est top 227 français. Et top 5500 monde à peu près. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et ciao.